Allez-y, voilà. Je vous écoute. Comment c'était quoi votre accident ? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans, avant mon accident. Je jouais donc debout. Et puis une fois que j'ai eu mon accident, en fait, on m'a tout de suite proposé de faire du tennis fauteuil. J'ai essayé, ça m'a plu, et puis j'ai commencé les compétitions, et puis me voilà maintenant au niveau où je suis. Tu la sens comment, personnellement? Alors cette semaine, c'est un peu compliqué, on va dire. Là, je reviens de 3 semaines de tournoi dans les pays de l'Est que j'ai gagné en simple et en double, donc je suis quand même dans une optique de victoire. Mais c'est vrai qu'hier j'ai participé au tirage au sort et je suis pas tête de série dans ce tournoi-là et c'est vrai que je tombe sur le numéro 4 mondial. Donc il faut aborder le match. Il faut aborder le match, il faut aller au front. Après rien n'est jamais perdu d'avance, donc il faut y aller quoi. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un où vous avez eu du mal à le battre? Il y en a plusieurs comme ça où c'est vrai qu'on se joue quand même régulièrement dans les tournois, c'est toujours les mêmes personnes et il y a des joueurs que je n'ai jamais battus. J'ai pas forcément de nom à donner mais il y a des joueurs après en fonction du jeu de la personne, il convient ou il convient pas, donc il y a des joueurs que je n'ai jamais battus. Voilà.